L'interview de Félix Tshisekedi, on en parle encore dans une déclaration parvenue hier mercredi, mais hier jeudi à actualité.cd. Les cadres des concertations de l'opposition politique et de la société civile en RDC accusent les chefs de l'État de diviser la nation congolaise et de créer des tensions pour dissimuler les incohérences de sa gouvernance. Pendant ce temps, les Profayulu et Katumbi révèlent ou racontent. Prince Epengé a jugé des ratés et pleine de contradictions la sortie médiatique de Félix Tshisekedi. Il rappelle au chef de l'État que Martin Fayoulou, attaché aux principes démocratiques, ne peut jamais reconnaître les simulacres d'élections entachées de plusieurs irrégularités organisées par Denis Kadima. De son côté, Hervé Diaké, ses porte-parole du parti Ensemble pour la République, rappelle que Katumbi n'a besoin d'aucune pression des siens pour consolider les chaos électoraux de 2023, autrement qu'un catalogue de tricheries à tous les niveaux. Évoquant encore l'interview très médiatisée de Félix Tshisekedi, Congo Nouveau estime que Top Congo a volé la vedette de la RTNC et l'ACP. Félix Tshisekedi ainsi que les membres du gouvernement accordent la priorité aux médias nationaux et la radio privée Top Congo FM est la plus sollicitée. Élection au bureau du Sénat, c'est Sama. Barre à la une, ouragan, l'ultime virage pour l'ex-premier ministre Samalou Kondé qui aura bataillé dur pour convaincre sans succès les partis présidentiels à l'aube. A doublé au perchoir de la Chambre haute, les dépôts par l'UDPS de la candidature d'Idriss Mangala, l'ancien gouverneur pénitent du Maniema passait à ses yeux comme une déconvenue, mais les candidats sur qui Félix Tshisekedi avait porté et confirmé le choix devant les notables Katangais jettent désormais ses dernières forces dans la bataille pour faire un para-allié dans les sprints finales. D'après Forum des As, Idriss Mangala, candidat de l'UDPS, traînerait assez des casseroles. La société civile du Maniema rappelle en effet à la conscience nationale la plainte encore pendant contre Idriss Afani Mangala pour viol sur mineur, tandis que l'homme se rappelle encore la mémoire de ses co-régionnaires pour ses malversations financières, tant en tant que gouverneur, avec l'impression parallèle des imprimés des valeurs pour voler la province. De son côté, et Journal rappelle que l'élection du bureau définitif du Sénat n'aura plus lieu ce samedi août. Bagarre entre les militants de l'UDPS lors du dépôt des candidatures au Sénat. Des 121 présumés fauteurs de troubles arrêtés et présentés par la police, rapporte la référence plus. L'occasion faisant les larrons, le commandant de la police de la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kinimba-Nimba, a mis en garde toute personne qui se présenterait au palais du peuple pour créer des désordres lors des élections du bureau définitif. Pour terminer, pas de corps étranger au palais du peuple, insiste de son côté l'avenir après des incidents malheureux et des actes de vandalisme enregistrés au Palais du Peuple mardi dernier. Le commandant de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, a annoncé que des dispositions sécuritaires ont été prises pour la sécurisation des installations du Palais du Peuple lors des élections de membres du bureau définitif. Autre chose, la justice militaire a rendu son verdict dans le procès très attendu de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI et des alliés et ses alliés du mouvement rebelle du M23. Selon Forum des As, les tribunaux siégeant à la prison
Militaire d'Indolo à Kinshasa a prononcé des condamnations à mort contre Nanga et les principaux leaders du M23 jugés par accoutumance. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine des débats et analyses. Grande tribune, nouveau numéro au menu, mise en place du bureau définitif du Sénat qui bloque la machine, et puis les propos polémiques de Félix Tshisekedi, analyse et avis. Nous pourrons parler, quelle lecture faire de ces deux thématiques. Nous avons sur ces plateaux Maître Claude Niembo, communicateur privé du président de la République, qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Merci, monsieur. De porter toujours les dévoilés sur nous et de nous renouveler la confiance. Un notaire a dit, toutes les fois que vous avez une deuxième ou seconde invitation, ça signifie que la prestation antérieure a été meilleure. Et pour moi, me réinviter aujourd'hui dans cette émission, c'est une sanction positive. Et ça voudrait par ricochet dire que les prestations antérieures ont été plus meilleurs. Merci de la confiance. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Monsieur Joël Nomba, cadre de l'Union Sacrée, il nous fait également l'honneur d'être avec nous. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Je salue déjà mes co-débatteurs sur place. Je salue le peuple congolais qui nous suit de partout ailleurs. Je salue aussi les personnes qui tiennent l'appareil de l'État et l'appareil judiciaire en même temps. Je salue aussi le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui du reste a le besoin de relever cette justice longtemps courbée. Et je profite de l'occasion de passer un message au chef de l'État. La tantine, la présumée tantine Claudine Kapinga du côté Badara. Elle est en train de mettre à mal la population de Badara en obligeant aux sinistrés de céder au moins 20 parcelles à elle seule seulement, alors qu'elle n'était pas aussi, qu'elle n'était pas jadis à Badara, qu'elle n'est pas aussi sinistrée comme les autres. Mais elle vient avec des propos dissuasifs pour intimider cette population qui réclament que leurs droits. Alors tantine, elle est venue avec la costume de la famille présidentielle en obligeant, si la population, encore la personne qui est en train de donner le parcelle ne veut pas, et cette personne sera arrêtée parce que elle est de la famille Tshisekedi, elle pense qu'elle a le droit plus que tous les autres Congolais. Okay. Et là, je m'invite à demander au chef de l'État d'interdire beaucoup plus à sa famille de ne pas commettre des bavures telles qu'elle le fait Tantine Glody à Badara dans la commune de l'Antilé. Merci beaucoup pour votre déjà biscuit. Merci. Alors, monsieur Henri Tshimbalanga, journaliste, analyste politique indépendant, bienvenue. Merci beaucoup, Daniel. C'est comme d'habitude, on est toujours très heureux de se retrouver sur ce plateau pour le besoin de la cause. Je salue les deux co-débatteurs en face de moi et je pense que ce sera toujours un moment de partage, un moment où on échange autant d'idées au sujet de notre chère République, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez un avant-goût? Non, bon, le biscuit que j'ai, c'est que, en tant que communicateur privé du chef, très bien, je me permets, je me donne le droit de soutenir. Parce que nous sommes tous de l'Union Sacrée et que chaque membre de l'Union Sacrée a voulu, au niveau du Sénat, aller de façon personnelle. Et donc, nous qui sommes membres, nous n'avons pas aussi une obligation de soutenir tout le monde. C'est que chacun aura, je ne sais pas, la piste sur son côté. Et donc, moi, personnellement, je soutiens en regardant le profil des uns et des autres. C'est vrai que c'est un sujet qu'on va parler. Laissez-moi soutenir la candidature de l'honorable Samalou Kondé pour l'instant, parce qu'il est une grande personnalité qui, aujourd'hui, parce que même dans le renouvellement, voire même le renouvellement de la confiance du peuple à l'égard du chef de l'État pour son deuxième mandat, ce grand-fils du Katanga a beaucoup contribué. Sa contribution est qu'il a été un premier ministre, non seulement parce que beaucoup parlent plus de la loyauté, mais moi je vois un technocrate, un monsieur qui a beaucoup travaillé dans la discrétion. Ce qui a beaucoup aujourd'hui, certains disent qu'ils ne l'ont pas peut-être senti,
on voit que peut-être c'est quelqu'un qui ne voulait pas à tout moment s'afficher sur le média, mais je pense que le travail qu'il a abattu, c'est ce travail qui a fait que devant l'urne, les Congolais, au lieu de voter pour Fayulu, de voter pour M. Katumbi, les Congolais ont opté pour M. Félix Tshisekedi, son Excellence le Président de la République, Félix Tshisekedi, parce que le Président de la République n'exécute pas le programme du gouvernement. Non, c'est le Premier ministre qui conduit la politique du gouvernement, bien sûr, en concertation avec le Président de la République. Et donc, si une telle personne, aujourd'hui, peut aller dans cette haute chambre, après cette expérience avérée du ministère du sport, en passant par la Gécamine vers la primature, je pense qu'il n'y a aucun rouage, le contrôle sera avéré. Vous savez, dans la vie, lorsque je lis un notaire qui a dit que l'on ne peut mieux contrôler que lorsque l'on a mieux géré. C'est-à-dire, lorsqu'une personne a géré, il connaît, il peut mieux contrôler l'action du gouvernement que quiconque. Mais lorsque vous prenez une personne hors de l'ordinaire, une personne qui, comment on peut le dire, plénitus extranei, comme on le dit en droit, une tierce personne, pour contrôler, alors que la personne ne connaît pas le roi du gouvernement, ça sera difficile. Voilà. Donc, sur ce, je chute en disant que je donne personnellement ma soutien à la candidature de l'honorable Samalou Kondé comme président. Je pense qu'il va l'emporter. Le sénateur doit faire le choix entre le renouvellement de la classe politique et tout ce que vous connaissez. Et je pense que le technocrate, il est technocrate, il est quelqu'un compétent pour faire mieux. Merci beaucoup. Je pense que M. Joël, déjà, vous l'avez déjà annoncé avec les dossiers. C'est la tête encore. C'est... Glodine, Madame Glodine Kapinga. Okay. On a déjà compris. Alors, Henri, vous avez un avant-goût avant d'aborder notre... Parce que je voudrais bien commencer avec vous. Moi, je dirais tout simplement, j'interpelle les autorités de l'UDPS, parti au pouvoir, de nous épargner un peu de ce genre de spectacle que nous vivons actuellement. Ça ne correspond aucunement avec le profil ou la quintessence des 37 ans de lutte, qui était une lutte censée basée pour le retour à des valeurs. Mais ce que ça nous offre, ce n'est plus les valeurs pour lesquelles les gens sont morts à travers la République, pour lesquels les Congolais ont cru dans l'UDPS. L'UDPS a incarné l'espoir de tout un peuple. Mais malheureusement, ce que l'UDPS nous donne en retour, c'est vraiment une désolation. Que les partis, les chefs de l'UDPS ne s'illustrent pas dans les pratiques de trafic d'influence, d'être au-dessus de la loi, des intouchables, et les conséquences... C'est ce qu'aujourd'hui, eux sont en train de dénoncer. Pourquoi crier au camp de Samalou Kondé de corruption pendant que Augustin Kabouya nous a dit que c'était une motivation, l'Égypte qu'il a donnée aux députés? Alors laissez les autres, si vous trouvez qu'ils font aussi ce que Kabouya avait fait, je pense que laissez-les faire aussi ce que Kabouya avait fait. Ça vous apprendra à comprendre qu'il ne faut jamais soutenir le mal. Que ce soit votre chef du parti qui le fait, il faut dénoncer. C'est ça la République. Aujourd'hui, ça vous fait mal. Vous commencez à courir dans tous sens dans les vidéos. Allez là-bas, vous allez trouver Fifi Masuka en train de corrompre les députés, les jeeps. Mais non, laissez-la, s'il en est question, qu'elle donne aussi la motivation comme vous, vous avez fait aussi. Donc c'est pour dire que la République ne se gère pas de cette manière qu'elle nous l'offre par... le parti qui a longtemps incarné l'espoir de tout un peuple. Merci beaucoup, Monsieur Henri Tshimbalanga. Alors, je voudrais commencer avec vous la première thématique mise en place du bureau définitif du Sénat. Vraiment, nous risquons de revivre le même scène de l'Assemblée nationale. Comment avez-vous analysé jusque-là des reports en report? C'est dû à quoi? Je pense que c'est dû d'abord à cette crainte exprimée par l'UDPS. Bon, d'une part, l'UDPS a raison de réclamer ce poste-là parce que les règles du jeu voudraient que le parti qui est majoritaire, vous voyez, ce qui est logique. Ce qui est logique.
Mais là où ils n'ont pas raison de nous amener maintenant à ce spectacle de ce quoi, étant donné qu'ils se sont tous constitués dans ce qu'on appelle l'union sacrée, depuis tout ce temps, tout le monde savait que pour l'union sacrée, c'est Samalou Kondé qui est candidat au poste de président du Sénat. Mais juste à une semaine auprès, c'est déclenché par cette vidéo-là de Zachary, ou moins encore, ce que moi je qualifie de débat d'ignorance. Parce que scientifiquement, le président du Sénat n'est pas dauphin du président de la République. Dauphin signifie héritier. Mais dans la Constitution, le président du Sénat, nulle part, il hérite le pouvoir du président de la République. Mais la crainte peut-être serait sur le plan politique, parce que dans le contexte congolais, il est vrai qu'en cas d'empêchement définitif, que le président ne soit plus en mesure de travailler en tant que tel, le président du Sénat n'hérite pas de ce pouvoir-là. Il fait l'intérim pendant 90 jours pour réorganiser des nouvelles élections, ou à défaut, je crois, dans 6 mois, et auxquelles lui ne va pas participer. Donc c'est un débat qu'on a lancé de l'ignorance dans la population, et on s'emballe et on crée tout ce qu'on crée là. Donc la crainte peut être justifiée sur le plan politique, parce que dans notre contexte, on peut retrouver quelqu'un intérimaire, et l'intérim engendre autre chose. Oui. Parce qu'eux-mêmes sont conscients. Tu sais, en voulant... Vous savez, l'UDPS a peu d'excuses. Aujourd'hui, il s'attaque à Fifi Masuka. Mais qui ont fait d'elle une puissante, une incontournable? Mais c'est l'UDPS, dans des forfaitures. Fifi Masuka, qui était vice-gouverneur du gouverneur élu Richard Muyège. Mais dès lors que le gouverneur Muyège présente sa démission, ça entraîne automatiquement la démission et de la vice-gouverneure et de tout son gouvernement provincial. Et ceci a amené la République, parce qu'on avait connu en ce temps-là 13 provinces qui connaissaient le régime des gouverneurs intérimaires. Alors la décision était très bonne pour organiser des élections dans toutes les 14 provinces, y compris le Lualaba. Mais au jour J, Kinshasa dit non, pour Masuka, elle reste là, on n'organise pas les élections. Or, elle avait déjà 3 ans d'intérim. Ça se fait où? En vertu de quelle administration? Ça, la responsabilité est compagnie d'EPES. Kinshasa. Mais le régime ici, le tenant des titres, c'est qui? C'est l'UDPS. Qui est plus puissant que Kabuya? Le CG de l'UDPS, le parti présidentiel. Toi et moi, nous sommes journalistes. Nous avons appris à respecter la sacralité des faits et la libéralité des commentaires. Mais les faits sont là, c'est-à-dire les événements tels que ça se déroule aux yeux de tous. La preuve, quand Kabuya vous dit, il fait tout ce qu'il fait là, qui l'a interpellé? C'est parce que, il se dit, le pouvoir, c'est nous. Alors, c'est ça. Ils l'ont maintenue. Et elle est devenue plus puissante. Elle bouge les lignes à Kinshasa. Il y a même un ministre de l'Intérieur qui avait sauté ici à Kinshasa à cause d'elle. Quand elle vient à Kinshasa, gouverneur, regardez même les vidéos. Comment vous la voyez dans les véhicules immatriculés PR? Il n'y a pas de relation entre gouverneur de province et président de la République. Mais voilà maintenant les conséquences. Ça commence à choquer l'UDPS qui comprend que non, donc il y a anguille sur roche, c'est pour nous arracher le pouvoir, parce que selon eux, Samalou Kondé, président du Sénat, c'est le dauphin. C'est pourquoi j'ai rappelé d'abord que c'est un débat qui n'est pas juste. Okay. Le président du Sénat n'est pas dauphin constitutionnel, c'est un faux mot. Merci beaucoup, monsieur Henri Bourré. Je reviendrai. Maître Claude Niembo, vous avez également 4 minutes. Alors, votre analyse, lecture par rapport à tout ce qui se passe au Sénat jusqu'ici. Bon, je... Depuis les élections, je pense que ça fera 7 mois. Oui, bon, je pense que tous ces théâtres, cette théâtralisation du Sénat, est dû à ce que mon co-débatteur venait de dire. Donc, de l'autre côté, il y a une guerre au sein de l'Union sacrée. C'est pourquoi nous appelons aussi, nous rappelons au chef de l'État
qui est une discipline. Ok. Parce que en voulant être trop démocrate, on se retrouve dans une forme d'indiscipline qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qu'il faut ? Il parle de la démocratie. Oui, c'est cette démocratie. C'est vrai que cette démocratie, elle est bonne, mais à l'extérieur, comment on perçoit, comment on voit l'UDPS qui est un parti ? Je vis même les CG Kabouya par moment regretter, dire que qu'est-ce que les gens diront de nous ? Okay. Parce que c'est un message de désespoir. Lorsqu'il est revenu devant sa base pour ses matinées invétérées ou quotidiennes, il a dit, on l'a vu vraiment cette fois-ci en train de regretter, parce que nous avons assisté à un théâtre sur le même parti qui se comporte comme si il était un parti de l'opposition. Alors, nous pensons que c'est le temps pour le chef de l'État de mettre la discipline. Et même au niveau, c'est vrai qu'on peut laisser au niveau du Sénat les candidats faire ce qu'ils font. Si vous constatez, vous allez constater que les candidatures à tous les niveaux, parce qu'actuellement les yeux sont fixés seulement au niveau de la présidence, mais à tous les niveaux, ce sont des regroupements politiques qui viennent, ils ne tuent toute personne à eux. Ah, tel regroupement dépose, tel autre dépose. On a vu ACPG déposer pour Kalumba, on a vu ceci. Donc à des postes, les gens vont maintenant de façon parsemée. Ce qui n'est pas bon pour une même famille politique. Vous voyez deux candidats d'une même famille politique compétir pour un poste. Ça sent l'indiscipline. Ça sent l'indiscipline. Ce que, en tout cas. La question est que, est-ce que l'Union sacrée existe encore? C'est ça, c'est là où nous allons. Parce qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir, par exemple, attaquer Sam Alukonde, directement, je ne me fais pas son avocat. Mais nous voyons les enjeux politiques, ce que ça avait. Parce que jusqu'ici, nous devons aussi le reconnaître. C'est vrai que lorsque vous regardez les enjeux de disposition des articles 73, par exemple, des articles 75, lorsqu'on parle du Sénat, quand il y a vacances, vous sentez que ces enjeux, les gens ont mal expliqué la disposition, peut-être au niveau. Je vis une influenceuse de l'IDPS dire que toi, Sam Alukonde, les Sénats, un président du Sénat, c'est un dauphin constitutionnel du chef de l'État. Non, pas du tout. C'est un intérimaire. C'est comme le co-débatteur a dit. Aujourd'hui, la notion de l'intérim n'a plus sa raison d'être parce qu'on est habitué à des intérimaires invétérés. Non, c'est ça, c'est vrai. Il peut arriver là. C'est aussi une situation. Nous disons, parce que moi, je soutiendrai que la vision du chef de l'État, mais quand il y a le mal en tant que scientifique, nous devons éclairer la lanterne parce qu'on n'est pas là que pour dire des choses qui ne vont pas. C'est vrai qu'il peut aussi arriver là. Et aujourd'hui, revenir à la Cour constitutionnelle, s'il n'y a pas moyen, s'il n'y a pas l'argent pour organiser les élections dans les délais prévus par la Constitution pour un sénateur, par exemple, qui assume l'intérim, il ira interroger la Cour constitutionnelle qui va lui donner d'autres jours de sorte que le gouvernement puisse trouver le moyen. Donc tous ces enjeux-là, c'est vrai que ça fait peur. Mais à un moment donné, je pense que ce débat devait s'arrêter lorsque le chef est rentré en bonne santé. Les débats devaient s'arrêter. Parce que c'était ça, on a compris que c'était ça la crainte. Depuis longtemps, nous avons vu des cadres comme le président Jekobeya, que j'ai salué en passant, soutenir la candidature de Sam Alukonde. Plusieurs, mais c'est vers la dernière semaine, lorsqu'on a appris que le président serait parti malade, que les choses qu'ils ont tout chamboulé. On a commencé à chercher un candidat au Sénat. On ne le cherche pas. Le Sénat, ce n'est pas n'importe quelle chambre. Regardez le profil de toutes les personnes qui sont passées au Sénat. Ce n'est pas de n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu as géré une province que tu dois automatiquement gérer. Les enjeux nationaux sont différents des enjeux provinciaux. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a géré une province qu'on peut de facto s'improviser et venir postuler au poste de la présidence du Sénat. Je pense, pour l'instant, parce que en politique, lorsque vous formez une famille politique, ce que nous devons reconnaître aussi, tous nos frères de l'Union sacrée, de l'UDPS, doivent comprendre, c'est que nous sommes dans une coalition. La coalition voudrait qu'il y ait partage de responsabilités. C'est vrai que de façon, de iure, des droits, sur l'UDPS, parce que l'UDPS a cette majorité. Mais dès lors que le dévolu a été porté sur celui-ci, parce que jusque-là, les Katanga n'ont pas aussi été servis en termes du gouvernement, parce qu'il y a des frustrations, qu'on vous les dise. Et nous, nous ne voudrions pas que ces frustrations continuent. Je pense que pour l'instant, il serait de bon droit, il serait mieux que Sam Alukonde soit le candidat de l'Union sacrée. Okay. Et que cela pourrait apaiser des esprits. Moi, je connais, nous connaissons ce que nous sommes en train de dire. Donc, en termes de la géopolitique, il est de bon droit.
Parce que moi, je ne trouve pas. C'est vrai qu'il y a tous ces enjeux, mais les chefs est déjà rentré en bonne et due forme. Les chefs est déjà rentré en bonne santé. Il faut respecter la géopolitique, l'espace linguistique, parce que j'ai vu encore d'autres... Oui, certains ont dit que l'espace les linguistique... Les Swahils est déjà à l'Assemblée. Non, mais l'espace, les Swahils qui se parlent dans les grands Katangs, on n'est pas le même, de l'Estin. On doit quand même le savoir. Donc, si on veut aller dans cette logique, alors celui qui veut passer... C'est lui et Wang qu'on a choisi, le Dumayama, c'est l'espace linguistique. C'est que c'est un débat qui n'a plus de raison d'être. Alors moi, je pense que le débat, c'était cette peur. Parce que cette peur n'existe plus. Okay. Revenons à l'ordre. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'ordre. Mais s'il faut qu'il compétisse, le candidat Iwanga, aujourd'hui, les choses commencent aussi à sortir contre lui. Mais de l'autre côté, jusque là... Kabuya a convoqué une réunion aujourd'hui avec tous les membres de l'Union sacrée. Attendons voir ce que... Non, nous attendons voir. Mais moi, je pense que déjà, lorsque vous mettez les deux profils, la probité, la moralité, l'éthique, ce sont trois choses qui comptent aussi en politique. La moralité, toutes ces choses comptent. Est-ce que ces deux candidats, M. Wanga et M. Samalou Kondé, qui de deux réunissent ces trois caractères? Donc, toutes ces choses, c'est pardon. Celui-là, celui-là, on ne parle pas de lui, mais les papas devaient se reposer calmement dans sa chaise. Vous avez et prendre sa retraite. On peut se référer. En termes de profil, en termes de profil, Jonas Moukamba est mieux expérimenté que tous alors. Ok. En termes de profil. Mais ici, maintenant, ce sont les enjeux politiques. Vous voyez, parce que le candidat de l'UDPS, vous allez récupérer, il a des placards, des cadavres dans son placard. Dans son placard. Il était gouverneur. Tout à fait. Là-bas, vous comprenez. Donc, c'est juste... Oui. Et ces placards-là sont déjà ouverts. Donc, ce qui n'est pas bon, lorsque vous regardez les trois critères, probité, moralité, éthique, je pense que pour l'instant, c'est Samalou Kondé qui va. Bon, on ne néglige pas Papa Jonas, les PP Jonas Moukamba. Moi, je pense que PP pouvait se reposer. Cette responsabilité. C'est Sarko, il a dit lui-même. Oui, mais c'est comme ça. Mais le PP a postulé, je pense, comme candidat indépendant. Je pense, mais bon. Mais il est membre de l'Union sacrée. Très bien. Alors, cher Joël, votre lecture par rapport... à tout ce qui se passe au Sénat avant de revenir, à qui profite ces désordres? Moi, je rigole lorsque j'entends ces co-circuitations d'imbroglio au sein de l'UDPS. Il n'y a pas que l'UDPS, il y a beaucoup de partis politiques. Non, mais ce sont eux qui s'aiment. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'UDPS qui amène ce genre de confusion. Je crois qu'on peut parler d'une élection que lorsqu'il y a deux ou plusieurs candidats qui concourent à un seul poste, que vous soyez de l'Union sacrée ou pas, nous sommes dans un pays purement démocratique. Et pourquoi ne pas laisser toutes les deux personnes ou encore plus de deux personnes concourir à un seul poste? Mais aussi, il y a question de la moralité. De l'autre côté, nous avons Mangala, de l'autre côté, nous avons Samalou Kondé et Pepe Mungamba, que je ne veux pas citer ici, qui doit durer sans se reposer, mais il a été mal conseillé. Voilà pourquoi Pepe veut s'y mixer dans les affaires de l'État et on a peur. Donc Pepe doit se reposer. Mais la question de la moralité est d'une importance très cruciale. Déjà, Mangala a des cadavres dans ses placards. Sûrement. Il y a une plainte déposée contre Mangala. Je crois que dans cette République, si on ne tient pas compte de la moralité, sachez bien que tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons lutter pour notre pays, sera nul et sans effet. Je m'avais aussi demandé aux sénateurs de, lorsqu'il y aura vote, bien sûr qu'ils ont reporté, c'est juste pour leur intérêt personnel, il n'y a pas question de la population là-bas dedans, c'est leurs intérêts, ils veulent se partager le gâteau comme ils veulent, et ils ont mis le peuple de côté. Je crois que lorsqu'il y aura les élections, que vous soyez de l'UDPS ou du Mosaïque, votez en âme et conscience. Votez la personne qui vous semble la personne d'une bonne moralité, la personne qui vous semble d'une expérience qui peut amener cette chambre haute à être toujours à la hauteur. Je crois que Samalou Kondé, que moi déjà j'apporte mon soutien, je m'avais exhorté tous les sénateurs qui vont voter, que vous soyez de l'UDPS ou du dehors de l'UDPS, lorsque vous allez voter, tenez aussi compte de l'expérience parce que vous êtes dans une chambre haute. Ne cherchez pas à ce que cette chambre puisse encore être bradée. Gardez toujours cette hauteur. Et comment vous allez le garder? C'est en apportant votre voix au candidat Samalou Kondé, qui du reste a bien travaillé tout au long de son mandat lorsqu'il était Premier ministre avec le chef de l'État. Il a travaillé, c'était toujours en silence et on a vu le résultat
qui ont poussé cette population à renouveler encore la confiance en la personne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que, n'oublions pas, c'est le chef du gouvernement qui est le premier ministre, qui dirige la politique de la nation. Et moi, je reviens à dire que si aujourd'hui nous avons renouvelé la confiance au président Félix Antoine Tshisekedi, c'est parce que Sam Alukonde avait travaillé et ses résultats nous ont poussé à renouveler la confiance en Félix Antoine Tshisekedi. C'est pour cela que je demande aussi à tous les sénateurs qui vont participer à l'élection de voter en âme et conscience. Que Kabuya vous appelle, que Kabuya vous mette en séquestration ou pas, mais le jour du vote, vous serez seul devant l'urne. Voter pour le candidat Sam Alukonde, et c'est comme ça que vous allez garder la hauteur de votre chambre. Après moi, nous avons vu battre que vous soutenir très trop attaché au candidat. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a eu des intérêts qui se sont partagés, mais bon, je reviens avec vous, cher Joël. Alors, à qui incombe, bon, à qui profite ces désordres, mais cher Henri? Ce désordre ne profite à personne, malheureusement. Oh. Au contraire, ça ternit l'image du président Félix Tshisekedi. Qu'on le veuille ou non, on peut donner n'importe quel genre de compréhension de ce qu'est la démocratie, mais attention, au final, qui porte la lourde responsabilité devant le peuple congolais et le monde entier? C'est le président de la République. Vous savez, l'union sacrée, ça devient comme un truc qui nous produit trop de fumée. Une fumée épaisse qu'on ne sait pas traverser des yeux pour voir de l'autre côté. Les membres de l'union sacrée, les ténors, l'ont dit ici sur différents médias que Sam Alukonde a échoué. Ils ont même ajouté, lamentablement, échoué. Et quand on leur pose la question, si Sam a échoué, donc Tshisekedi a échoué. Oh non, il faut le dissocier, c'est Sam qui a échoué. Bon, maintenant, vous, l'union sacrée, là, vous nous amenez un candidat que vous-même, vous qualifiez d'avoir échoué. Ça voudrait dire, vous dites à nous que Sam a été un incompétent. Vous l'amenez encore candidat. Vous allez encore nous amener un autre candidat qui avait des sérieux problèmes quand il dirigeait la province de Maniema. La petite province par rapport aux enjeux actuels au niveau de ce poste de président du Sénat. Alors, l'union sacrée nous amène dans quoi? Parce qu'on ne sait pas comprendre comment eux, ils conçoivent même ce qu'est la politique. Vous voyez, la démocratie n'a rien à voir avec toute cette indiscipline, tout ce désordre-là. Non, rien du tout. Quand il n'y a pas, une ligne maîtresse, maintenant, on ne sait pas, ce sont des candidats indépendants ou ce sont des candidats de l'union sacrée. Vous voyez, il n'y a pas longtemps que tout le monde, même tous ceux qui sont chauds là, soutenaient la candidature de Sam Alukonde. Mais moins d'une semaine avant la date fatidique, tout change et en voulant forcer les choses, ça donne maintenant un mauvais spectacle. Je pense qu'il n'y a pas assez d'excuses de dire qu'il y a eu la peur du point de vue au regard de la santé du président de la République. Non, non, non. Le problème, c'est que ça a été très mal perçu en amplifiant cette notion-là. Oh non, c'est le dauphin en cas de celui. Non, écoutez. Et regardez ceux qui ont appuyé cette version-là. Regardez un peu. Vous allez comprendre qu'ils n'ont rien de scientifique. Okay. C'est du bruit inutile. Vous voyez, donc moi je pense que ce désordre ne leur profite pas. Okay. L'union sacrée est en train de perdre tout le temps possible. Et Félix Tshisekedi doit comprendre que son ennemi, c'est maintenant le temps. Okay. C'était facile de dire que l'opposition a pété. Mais si vous n'avez pas en face de vous une opposition qui vous empêche de travailler, mais c'est-à-dire couloir est à libre. Mais alors, vous allez vous justifier encore sur base de quoi? Vous allez encore demander au peuple de ne pas vous juger maintenant. Mais vous n'avez pas d'opposition par rapport à ce que Mobutu avait souffert. Une opposition extrêmement dure. Quand on lance un mot d'ordre de ville morte, c'est toute la République. Et vous savez ce que ça faisait perdre à la République par jour? Oui. Ça court-circuitait le tissu économique. Vous voyez? Mais quand vous n'avez plus d'opposants, mais c'est vraiment du pain sur la planche. Mais allez-y, ne trouvez plus d'excuses. Sinon, vous allez convaincre qui? Vous n'allez plus convaincre les gens. Et c'est quoi le rôle du président en ce moment? Mais l'initiateur de l'union sacrée, c'est Félix Tshisekedi. Il doit
doit s'assumer, il doit appeler ses lieutenants des troupes et leur dire, écoutez, ça maintenant, vous me faites porter une incapacité. Si le peuple commence à voir comme si je suis incapable de diriger cette famille politique, ça voudrait dire que je suis incapable de diriger maintenant le Congo. Parce que maintenant, tous les dégâts qu'il cause au palais du peuple, on détruit. Oui. Maintenant, qui en est responsable? Parce que c'est deux camps de l'UDPS, ce n'est même pas l'Union sacrée. Deux camps, au lieu de vous battre dans votre siège, vous venez vous battre au palais du peuple. Quand Mobutu a construit le palais du peuple, l'UDPS n'existait même pas. Parce que le palais du peuple, les travaux de construction commencent le 22 octobre 1975. Et Mobutu inaugure ça le 19 mai 1979. Les députés siégeaient au palais de la nation. Ils étaient au nombre de 250 à l'époque. Parce que le palais de la nation, c'était les Belges qui ont construit de 55 à 61. 56 à 61. Maintenant, le maréchal que vous avez qualifié de l'incarnation du mal zaïrois, il vous construit ça. Mais vous, vous venez détruire, vous les anges. Mais écoutez, le Congolais, l'UDPS nous offre quoi? C'était l'incarnation de l'espoir du peuple congolais. On retient quoi? On retient que ce désordre, le président de la République en tant qu'initiateur de l'Union sacrée doit se fâcher. À chaque fois, il y a toujours ceux qui créent des troubles, il doit même les envoyer à la justice. Etienne Tshisekedi avait envoyé Jacquemin Chabani, son secrétaire bien-aimé, à la justice. Mais pourquoi Félix ne peut pas copier l'exemple de son père? C'est lui qui a fait que cette aura-là qu'il bénéficie aujourd'hui n'eût été cette aura-là d'Étienne Tshisekedi. Qui allait croire en Félix? Parce que depuis tout ce temps-là, lui n'était pas dans l'engagement politique, pour bien dire. C'est cette aura-là qui porte. Alors qu'il prenne l'exemple dans des moments forts du sphinx de l'humanité. Quand il avait envoyé Jacquemin Chabani, va là-bas, tu vas répondre à la justice. Tu fais l'objet de mégestion au sein de l'UDPS. Mais quand il y a des chefs du parti de l'UDPS, ni de l'Union sacrée, qui vandalisent des lieux publics, envoie-les à la justice. Merci. Alors, cher Rodo, on retient quoi? Parce qu'on veut prendre la deuxième thématique. Concrètement, je dirais que ce théâtre ne profite ni au président de la République, ni à la population, ni aux autres membres aussi de l'Union sacrée, ça on doit le dire. Okay. Parce que ce qui est la gestion d'un parti politique, c'est une gestion privée. Les conflits dans un parti politique, ce sont des conflits privés qui devaient se gérer en dehors des institutions. Et moi, je pense que amener un conflit privé sur une place publique ou sur une place publique, moi, je pense que c'est une honte et que nous devrions éviter. Comme les co-débatteurs, je dirais qu'il est temps, je l'avais dit dans une autre émission, qu'il est temps que le président de la République se mette... qu'il tire les oreilles de ses capitaines afin que les choses puissent aller en ordre. Parce qu'une famille politique sans discipline, c'est une famille vouée à l'échec. Moi, je pense qu'à ces instants, on doit non seulement au niveau de la famille politique comme union sacrée, mais au niveau d'abord de son parti. Tout ce bruit qui se sont passés, la base ne veut pas de X ou Y, parce que c'est même ça la cause. Où est le président de la République? C'est vrai que pour l'instant, il ne peut pas gérer les partis. Mais où est le président de la République pour arrêter cette hémorragie? On ne veut pas de toi. Il n'y a pas de personnes deus ex machina qui doivent être là, de toutes des personnes qui irremplaçables. Non, pas du tout. Avant M. Augustin Kabouya, il y a eu d'autres personnes. Mais moi, aujourd'hui, je le vois parce qu'il a été menacé pour le poste du secrétaire général. Parce que c'est même ça la cause. Okay. Ceux de la Force du Progrès sont venus parce que les candidats qui venaient, c'était une émanation de M. Augustin Kabouya. Mmh. Alors, nous disons ceci. Lui est devenu secrétaire général parce que Jean-Marc Kabound était devenu président d'intérim. Lorsqu'il est menacé, il commence maintenant à statuer sur ses actes comme président d'intérim. Mais alors, qu'il laisse le poste de secrétaire général. Soit il fait les dédoublements fonctionnels. Est-ce que est-il seulement la personne idéale pour faire ce dédoublement fonctionnel? Tantôt, un communiqué signé comme président d'intérim, c'est que ce poste-là était vacant. Pourquoi ne peut-il pas accepter de devenir président d'intérim et laisser le poste de secrétaire général? Alors, tous ces désordres sont liés. Tous ces désordres, c'est une honte pour le chef de l'État. Et nous ne pouvons pas accepter que M. le président de la République soit vu comme une personne incapable, alors que ce sont ses capitaines qui n'obéissent pas. Moi, je pense que
Le mal, c'est d'abord revoir, remettre de l'ordre au sein du parti présidentiel et puis remonter au sein de l'Union sacrée. Parce que je pense que le désordre du parti présidentiel remonte jusqu'à l'Union sacrée. C'est aujourd'hui peut-être que nous aurons le mot d'ordre. Bon, attendons voir qu'ils sérénissent parce qu'il n'y a pas de personne irremplaçable. Et une personne, moi je pense que le mieux, la notion de la démission doit aussi exister. C'est une notion qui nous manque, et que ce soit dans nos partis politiques, que ce soit dans la gestion de la chose publique. Une personne qui échoue persiste toujours. J'ai jamais compris cette notion. La notion de l'intérim, on va au-delà. La notion de la démission, ne pas dans les chefs du Congolais, je ne sais pas où allons-nous. Quand les choses vont mal, je pense que par rapport à ses convictions, on peut se dire, non, les choses vont mal, je démissionne, tu vas quitter avec honneur. Quand on te laisse pour... Quand quelqu'un doit assumer ou assurer l'intérim, l'intérim n'est pas éternel. C'est une phase... Je peux même dire que c'est une phase d'alternance ou de changement. Une personne qui assure des affaires courantes, enfin que c'est la personne qui vient, qui a le plein droit, puisse assurer, puisse jouir de la plénitude même de ses prérogatives dans un poste bien déterminé. Mais ici, nous avons le CG Kabuya qui, aujourd'hui menacé, demain, il signe comme président d'intérim. Hier, il signait comme CG. Finalement, on ne comprend rien. Parce que lui est arrivé là où il est, parce que le président Félix est devenu président et qu'il a laissé la présidence, l'intérim à M. Kabound. Lorsque M. Kabound n'est plus, lui monte de facto et on cherche un autre CG. Pourquoi il veut maintenir le 2? Merci beaucoup, cher Claude Nimbo. Alors, M. Joël, on retient quoi? Parce qu'on voulons passer à la dernière thématique. Ouais, sur cette question, moi, je dirais le président de la République doit beaucoup plus veiller afin d'éviter ces Capharnaüm qui viennent de peu à peu et on risque d'assister... Monsieur Harry l'a dit, ça n'honore pas la République. Oui, ça n'honore pas la République et c'est une honte. Je crois que le président de la République doit devoir interpeller tout le monde parce qu'il est l'initiateur de l'Union sacrée qui aujourd'hui ne s'entendent pas entre eux-mêmes. Je crois qu'il est important parce que si, lorsque vous entendez de l'autre côté, on vous dit, pas même de l'autre côté, parce que le président lui-même avait déjà choisi sa main comme le candidat idéal. Alors, il y a une façon de... La boulimie de tout gérer qui est au sein de l'UDPS, qui vient aussi intercaler la volonté du chef de l'État. Je crois qu'il est temps, le chef doit devoir maintenant interpeller tout le monde à l'ordre, et qu'on puisse laisser à un seul candidat comme ils le veulent bien, et quand même c'est une façon de museler la démocratie. Le chef doit devoir choisir une personne, et s'il veut garder sa main, moi je préfère qu'il garde sa main parce que déjà Mangala a des cadavres dans ses placards, alors il serait mieux pour lui d'intervenir. Merci beaucoup. Alors, propos polémiques de Félix Tshisekedi, monsieur Henri Timbalanga, votre lecture? Bon, cette communication, je relève un peu deux choses. La première, je la trouve, elle était un peu utile parce que ça allait dans tous sens au sujet de sa santé. Et quand vous regardez même ce que les Congolais commençaient à raconter, donc ça ne sentait pas bon, oubliant que dans des circonstances pareilles et dans le contexte qui est le nôtre de la RDC, que vous aimiez Félix Tshisekedi ou pas, c'est pas comme ça qu'on pouvait souhaiter qu'il aille mourir. Parce qu'on pouvait se retrouver dans une direction inconnue et le pays pouvait nous échapper. Souvenez-vous, quand Mobutu était sérieusement malade, et Tshisekedi est allé le voir, en dépit de tout ce que Mobutu lui avait fait subir, mais Tshisekedi, le père, Étienne, il est revenu, il a dit aux Congolais, Zaïroa à l'époque, priez pour que Mobutu ne meure pas là-bas, qu'il revienne pour qu'on essaie un peu de bien atterrir. Sinon, avec tout ce que nous connaissons, qui venait avec de l'Est du Rwanda, ça peut complètement nous échapper. Donc en ce moment-là, il n'était pas question d'aimer Mobutu ou pas, mais de voir plutôt le danger qui encourait à la nation au cas où Mobutu mourait de cette façon-là, à cet instant-là. Je pense que cette communication a eu aussi sa raison en ce moment-là pour évidemment taire un peu toute cette psychose. Parce que vous savez, dans telle psychose, tout peut arriver. Hein. Il y a des gens osés qui peuvent dire « Bon, écoute-toi ça, Daé, mais on ne nous en dit rien. » Et on peut vivre un événement inconnu et peut-être ça peut aller dans tout sens. Donc je pense que de ce point-là, selon moi,
ce communiqué a eu à jouer un bon rôle. Mais le contenu, d'une part, j'ai comme l'impression, comme si le président répondait au baliverne d'Olive Lembe. Ok. Alors, et puis, plus loin, il a donné même l'impression comme si il n'était pas d'accord avec tout ce qu'on attaque les Nicolas Kazadi au sujet des détournements. Vous voyez, c'est trop risqué, une telle communication. Ce n'était pas dans le sens de laisser la justice faire son travail. Vous savez tout ce qu'il y a comme réaction sur les réseaux sociaux. À chaque fois, on cite les noms de quelqu'un sans jugement. C'est la population qui condamne. Mais s'il en est ainsi... Qui décide même l'endroit où la personne doit être en... Mais alors, s'il en est ainsi, le président ne devrait pas non plus en condamner que Kabila, c'est lui la FC. Il aurait saisi la justice en juin là-bas, il en a le pouvoir d'injonction. Il saisit, il leur donne les éléments que lui détiendrait peut-être de ses services de renseignement pour dire au procureur, eh ben, ouvrez une enquête sur ça. Il a dit qu'il va dévaler... Mais non, attention beaucoup... avec la parole du président de la République. Quand il dit déjà cela, bon, supposons, quand le ministère public ouvre une instruction, supposons le cas, le ministère public instruit à charge et à décharge. Et si le ministère public trouve qu'il n'y a rien dedans, mais la parole du chef a été comme un arbitre qui tranche, quelle serait maintenant cette facilité du ministère public d'annoncer qu'il n'y a rien, comme pour dire, parce qu'il y aura des gens qui vont dire, ah donc vous voulez dire que Tshisekedi avait menti. Vous voyez cette difficulté-là. Moi je pense que la suite de cette interview n'a pas été vraiment prudente. La cellule n'a pas projeté les conséquences ou les répercussions. Fallait lui dire non, cet élément ici, c'est mieux, appelez peut-être votre ministre de justice qu'il enjoigne au procureur qu'on donne ces éléments. Parce qu'encore que, vous savez, j'ai comme l'impression que deux fois, nos services donnent des éléments qui ne sont pas faciles à prouver. Souvenez-vous du procès de quand on a arrêté Manga Chouchou. C'est qu'on attendait, mais dès quand on a amené le coffre-fort en pleine audience, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Et la cour militaire a même dit aux agents qui avaient arrêté Manga Chouchou, qu'il avait amené, que, mais écoutez, il faut quand même amener des motifs vrais. Dedans, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Très bien. Donc, c'est pour dire que le président de la République, ce n'était pas le lieu indiqué de faire des déclarations aussi graves, susceptibles de fendre la cohésion nationale. Okay. Parce que tous les Congolais ne seraient pas d'accord avec ça. Il y en a qui en seront d'accord et les gens risquent même de se battre autour de ces propos-là. Donc je pense qu'en ce moment, on a plus besoin de la cohésion. Lui, il aurait fait peut-être le temps. Parce que après tout, l'instruction, c'est... a un caractère inquisitoire, c'est-à-dire secret. Donc c'est plutôt au ministère public de finalement, au regard des éléments que lui détiendrait, de voir si ce sont des indices sérieux, et maintenant, voir quel mécanisme. Et au-delà de ça, comment vous pouvez déclarer déjà quelqu'un... Chuter. Pendant qu'il n'est pas au pays, c'est-à-dire vous l'avertissez, qu'il prenne des dispositions. Alors, c'est imprudent de votre part. Merci beaucoup. Maître Claude, votre point de vue par rapport aux déclarations de Félix Tshisekedi. Bon, moi déjà, par rapport à l'opportunité ou l'inopportunité de sa sortie médiatique, je disais qu'elle était opportune. Okay. Parce que dans la mesure où il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites avec vos confrères, bien évidemment, notamment le confrère que vous connaissez, vos confrères youtubeurs, qui ont amplifié, voire même ajouté de la haine, disant qu'il ne rentrera pas en vue. C'est seulement en RDC où on voit cette liberté de presse prendre dessus sur des imputations dommageables, sur des délits de presse, sur des délits, mais on ne parle pas quand même d'un président de la République avec légèreté, comme nous l'avions entendu avec votre confrère Pierre Louaou, avec tous les autres qui continuent à parler... celui qui s'est fait appeler recteur et consort, nous sentons une forme de haine. Nous demandons, c'est vrai que pour l'autre qui est à l'étranger, on ne sait pas comment faire,
Mais pour ceux qui sont à l'interne, nous pensons que les conseils supérieurs de l'audiovisuel pourra peut-être s'en servir et sanctionner s'il le faut. Alors, il y avait opportunité. Pourquoi nous disons qu'il y avait opportunité? Avec tout le bruit de ces youtubeurs, de vos confrères youtubeurs, je pense qu'il était opportun que le chef fasse cette sortie. Bon, je vois beaucoup de Congolais dire non, pourquoi Félix a fait ça? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi il est sorti? Non, ça peut déranger peut-être sur certains de ces propos, mais moi je pense que ce n'est pas aux Congolais ou à n'importe qui de s'élever, parler de l'opportunité ou de l'inopportunité de la sortie d'un président de la République. Oh non, il devait se taire. Oh là, Kagame est content. Kagame tire des mots. Non, on ne fait pas des choses en tenant compte de Kagame ou de quoi que ce soit. Le président, lorsqu'il estime qu'il peut s'adresser à la population, il peut peut-être donner l'interview sur sa santé. Parce qu'avant, c'était un sujet tabou. Personnellement, je ne sais pas ce que le Congolais cherche. L'autre fois, lorsque le président est allé pour des soins médicaux, ils ont dit non, même les services attitrés ne communiquent pas. Aujourd'hui, on communique sur sa maladie. Oh non, ça c'est quel service? C'est quel service de communication qui communique tout ça? On ne sait pas. Le président de la République, c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie en Europe. En Europe, lorsque le président de la République est malade, on le dit. C'est peut-être en Afrique où c'est des tabous. Quand un père de famille est malade, on s'était parce qu'on a il y a des sorciers. Où les pays des bon, il y a trop de. Mais oui, c'est ça. C'est comme ça que c'est dans ce contexte qu'il a voulu expliciter. Ah oui. Aujourd'hui, vous sentez que la sortie du président de la République, sa sortie et cette communication a apaisé des choses. Si aujourd'hui certains membres de l'UDPS se révirent pour dire que non, Sama, on peut toujours te laisser. C'est parce qu'il y avait cette crainte-là. Le chef est sorti, mais on ne sait pas, on ne connaît pas de ses nouvelles. Lorsqu'il a rassuré le Congolais qu'il va bien, il est en bonne et due forme, pas dans, après deux jours, on l'a vu à l'hôpital du cinquantenaire, déposé, tout ça. Ça rassure les uns et les autres. Vous voyez? Donc, il y avait opportunité de cette sortie. Okay. Bon, par rapport à certaines paroles, moi, je ne oh, qu'est-ce qu'il a, il a qualifié de tel. Non, mais si on va à crescendo, est-ce que Martin Fayoul... Parce que moi, je pense que ce ne sont que des vérités qui ont été dites. Si, par exemple, on va, par exemple, sur Martin Fayoul, il n'a jamais aujourd'hui... C'est un secret de polichinelle que M. Martin Fayoul n'accepte jamais les résultats. Il n'est pas obligé aussi. Alors, il a parlé de M. Moïse Katumbi, qu'il était... Borderline. Oui. Mais moi, je pense que, et descendant sur... Alors, c'est, parce que la question, peut-être, le bas qui a plus blessé, c'est sur la question de Joseph Kabila. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une frange de Congolais qui n'aime pas qu'on parle du mal de Kabila. C'est comme si le fait pour lui d'avoir eu la pression de l'UDPS et d'avoir laissé le pouvoir du point de vue constitutionnel après avoir glissé, pour eux, il devient, je ne sais pas, une personne intouchable qu'on ne peut pas. C'est comme si c'est une personne qui a légué, qui a donné, qui a fait cadeau au président Tshisekedi, qu'on ne puisse pas peut-être toucher sur ceci. Mais Ali a évoqué le cas. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas peut-être entamer les poursuites judiciaires? Tout à fait, ça peut arriver. Mais le président de la République... On connaît sa maison, il était ici. Non, le président de la République n'a pas la latitude d'injonction positive. C'est au ministre de la Justice de donner injonction au procureur. Mais alors, on revient d'abord sur les faits. Alors, les gens ne veulent plus qu'on dise du mal. On a passé 18 ans ici dans une république. On ne pouvait pas faire débat comme ceci. Si c'était en direct, après, chacun pouvait prendre sa fuite. Mais actuellement, les gens, on a vu plusieurs communicateurs se dupliquer, plusieurs personnes se prétendent être communicateurs parce que le milieu devient assaini. Tu peux dire du n'importe quoi contre Félix Tshisekedi, tu dis ça, ce qui n'était pas le cas. Nous autres ici, pendant ces temps, nos parents nous interdisaient même. Quand tu vas là, il faut savoir ceci, ceci, mais actuellement, tu vas, tu es calme. Alors, toucher à la personne de Joseph Kabila qui est devenu, c'est vrai que c'est un sénateur à vie, mais ça devient très dangereux. Si le chef a dit, il n'a pas donné tous les contenus, mais on ne peut pas passer, on ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. Qui sait si? Parce qu'il nous a promis d'ouvrir les placards. C'est ça aussi. Parce qu'il y a plusieurs cadavres. Et c'est ce qui a choqué pour la première fois. La porte-parole de la conseillère en charge de communication a promis. Parce que les placards, ils savent ce qu'il y a là. Ils savent combien des trucs on va trouver. Moi, je pense que le président a juste peut-être annoncé, mais c'est au ministre. Peut-être que ça sera discuté au conseil des ministres, qui sait.
Parce que le Congolais, parfois, on a tendance à dire, non, pourquoi Félix doit dire ça? Pourquoi ceci? Mais c'est la seule personne la mieux informée. Oui, parce qu'il promettait aussi que... Parce qu'il y a des secrets d'État que nous, nous ne connaissons pas. C'est Kagame, aujourd'hui, ça devient... Non, mais les enquêtes peuvent se modifier. Enquêtes peuvent aller crescendo, se remodifier à tout moment. Aujourd'hui, vous pouvez arrêter une seule personne, penser que c'est elle qui est peut-être la plaque maîtresse au fur et à mesure que les enquêtes évoluent. Il y a des... Pourquoi? C'est quoi la raison d'être des services de sécurité et tout comme ça? Moi, je pense que, moi, à mon aide, je pense que la communication a été bonne. Je ne chacun pense pas peut... donner des leçons au chef de l'État, encore que c'est la seule personne qui est la mieux disposée pour avoir nous donner les secrets d'État. Parce que ces services sont sous sa gestion. Monsieur Joël, le chef de l'État a eu à faire beaucoup de déclarations. Alors, votre... manière de voir. Je crois que le chef de l'État, il est la personne la mieux informée de la République. Mais seulement, il n'est pas l'organe de la justice. Et même lorsque vous avez les informations au complet, il faut toujours les soumettre aux services qui peuvent interroger les personnes citées dans les enquêtes. Okay. Et ce sont ces personnes-là qui vont établir sérieusement la culpabilité de la personne dont vous présumez. Je crois que tout ce qu'il a dit, il n'a pas menti, c'est vrai. Mais seulement là où il y a un peu de faille, je ne dis pas qu'il a mal parlé. Je ne suis pas en train de le contredire. Mais il devrait aussi renvoyer la question à la justice, comme il a renvoyé la question de Nicolas Kazadi, qui lui estime que Nicolas a été jeté en pâture. Il devrait aussi renvoyer la question à la justice, que la justice puisse établir la culpabilité de M. Kabila. Quand même, il y a des informations très sûres, parce que lorsque vous suivez Henri Magie dans une vidéo, il vous dit « Nous sommes ici, c'est en revanche, nous faisons la revanche de Kabila. » Lorsque Henri Magie dit cela, ça se comprend. Vous voyez Mme Fanny, lorsqu'elle déclare haut et fort, ça se comprend que c'est Kabila qui est derrière. Vous voyez? Alors, je ne trouve pas le mal, mais j'aimerais aussi enjamber avec quelque chose, parce que je vois que nous sommes déjà à la fin. Il y a un auteur qui dit « Quand l'injustice surplombe la justice, il y a forcément une malveillance caractérisée de la part de l'esprit humain. » Par là, j'aimerais dire que nous sommes dans un pays où la justice était longtemps courbée. Et avec le ministre Moutamba, je crois que la justice sera relevée. Et il y a un citoyen congolais qui détient le document, le vrai document parcellaire de ce bien, de sa parcelle, mais il n'arrive pas à en jouir. Et il paraît qu'il y a une action politique ou encore une action punitive en son encontre. Alors qu'il détient ce document, il a été mis dehors de sa parcelle, il n'arrive pas de jouir de ce droit. Alors, je m'avais vite demandé au président de la République, en sa qualité d'arbitre et aussi au ministre de la Justice aussi, qui est venu toujours dans le souci de relever cette justice, d'intervenir dans le cas du citoyen Alphonse Ngoï Kasangi, qui jusqu'en ce moment n'usufruit pas de ses biens, il est en dehors de sa parcelle. Alors, Alphonse Ngoï Kasangi, le député national. Il est député, oui. Bien sûr. Mais jusqu'à maintenant, il n'arrive pas à jouer de ce bien. Il est dehors de sa parcelle, alors qu'il a le vrai document. Mais il paraît que la parcelle a été attribuée à Mokia frauduleusement, alors que Mokia n'a aucun document. Mokia n'a aucun document. Mokia s'en a tous les documents. Le ministre de la Justice doit devoir intervenir plus vite que possible. Et c'est comme ça qu'on va construire un état de droit fort, solide et meilleur. Merci beaucoup. C'est ça que M. Henri a toujours condamné l'état des hommes forts. Alors, il nous reste quelques minutes. Oui. On retient quoi par les deux thématiques de manière assez concernante. Vous savez, on ne doit pas faire du président de la République un magicien, comme le disait Mobutu. Okay. Seul ne peut rien. Souvenez-vous, quand il y avait manifestation des écoliers à Ituri, on a renseigné au président de la République que c'est de la manipulation des politiciens. Et le président en avait fait même écho de par l'ambassadeur de l'Union européenne qui était venu le voir à ce sujet-là. Mais quand le président arrive en Ituri, devant maintenant ces jeunes enfants de 9 ans, souvenez-vous, je l'ai toujours félicité parce que Félix Tshisekedi a pris de la hauteur en acceptant de s'humilier et demander pardon à cet enfant, en disant que je n'avais pas ces informations. Alors pourquoi pensons-nous que tout ce qu'on lui donne comme renseignement, c'est forcément vrai? On ne doit pas déduire que parce que nous voyons telle personne qui parle là-bas, ça voudrait dire c'est Kabila, ou tel qui était là-bas, les Henri Magé, les autres. Il y a des gens qui sont
avec vous, mais dans le cœur, ils ne sont pas avec vous. On a aujourd'hui Wankacha qui était un proche de Félix et qui se promenait, qui était dans le giron. Mais quel est son langage aujourd'hui? Il applaudit Nang. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui l'envoie chez Nang? C'est pourquoi j'ai dit qu'il était mieux de prendre les éléments pour une situation aussi délicate que ça et les amener au niveau du ministère public qui sont habilités à faire un travail dans le silence, de façon secrète. Parce que mais le Kabila en question, il n'est pas au pays. Avec tous les moyens qu'il a là, vous annoncez déjà que c'est lui l'AFC. Vous l'aurez où? Et c'est le président qui l'annonce. Et c'est le président. Alors vous allez l'avoir où? Je pense que c'est de ce côté-là que je dis que la communication n'a pas été efficace. Parce que fallait pas annoncer ça. Fallait traiter ça sous coulisses jusqu'au moment opportun. Si le monsieur devrait revenir et la machine s'ouvre. Okay. Que de la lancer pendant que lui n'est pas là. Il efface les traces. Même s'il ne revenait pas. Il peut attendre jusqu'à la fin du mandat le départ de Tshisekedi. Il revient et ce sera sous un autre angle. Vous voyez. Donc c'est là que moi je dis la communication était bonne pour essayer de... Écoutez, de même quand on parle des pays développés, non. Pourquoi détailler même la gravité de la maladie du chef de l'État dans le contexte qui est le nôtre? Non, cette communication-là n'était pas. La transparence, attention, la politique. Maître l'a dit. Nous sommes déjà à la fin. Écoutez, la transparence ne signifie pas que vous ne devez pas. Parce que la politique, c'est la gestion des personnes. Vous êtes en train de gérer les têtes des gens. C'est pas tout de suite que je viens là pour t'annoncer le décès, par exemple, un exemple de ton fils, et tout de suite. Je dois d'abord t'observer, donc je le laisse d'abord. Et puis je t'approche petit à petit. Parce que je peux te l'annoncer brusquement et toi aussi tu tombes, tu en meurs. Okay. Alors, quel a été maintenant le rôle de ce que j'ai... C'est ça la transparence? En toute chose, toute action politique doit avoir, il faut cette souplesse d'imaginer la suite ou les conséquences. C'est ça même le rôle des services de sécurité, c'est-à-dire les services d'avant-gardistes. Moi, je pense que c'est le côté faible de cette communication. Vous ne pouvez pas annoncer déjà votre qui semble être comme votre ennemi que je dois l'arrêter. Vous l'annoncez pendant que lui n'est pas dans le champ, dans votre juridiction. Ça va vous demander beaucoup de mécanismes. Souvenez-vous, quand juste on a demandé à ce qu'on arrête Nanga au Kenya, qu'est-ce que le gouvernement kenyan dit? Ils ont refusé. Mais alors, pourquoi quand quelqu'un n'est pas dans votre juridiction, vous annoncez de si grandes décisions? C'est de là que je dis que c'est une faiblesse de cette communication-là. Donc moi, je pense que le Mise président... En place, du bureau définitif, on retient quoi? On retient, moi je pense que c'est le président, il s'agit de l'Union sacrée, un truc que lui-même a initié. Il doit s'impliquer et tonner sur tous ces gens qui provoquent ces troubles afin d'y aller paisiblement. Parce que si on doit repousser à raison peut-être de sécurité ou insécurité, c'est un peu honteux. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui peut être incapable de maîtriser les quelques éléments de l'UDPS. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher là-bas? On peut les chasser tous dehors. En dehors même de l'enclos, de la grille, de l'hémicycle, ils ne vont pas accéder. Ils n'ont qu'à prendre cette décision-là et le vote se passe tranquillement là-bas. Ça fait déjà presque une année qu'on n'a pas toutes les institutions. Félix Tshisekedi doit comprendre. Donc, il perd une année comme ça sur les cinq qui lui restent. C'est très dangereux. Merci beaucoup. Maître Claude, on retient quoi pour les deux thématiques? Bon, pour les deux, je pense, je commence avec celui du Sénat, du bureau définitif. Je pense que il serait mieux que le président de la République lui-même prenne les choses en marche. Et que ce bureau, ces élections sont le plus vite organisées, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais demandent à ce que le président de la République fasse la guerre au Rwanda. Ils oublient que pour que la guerre, les conditions, ou les mêmes les conditions constitutionnelles pour qu'une guerre soit faite à l'égard du Rwanda ou d'un pays autre, tiers, il faut que les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès. C'est alors que le président de la République va solliciter cette approbation du Parlement. Alors, à partir du moment où il y a une chambre... Ce qui est géré, je peux dire, par le bureau provisoire. Ce qui est provisoire, c'est comme un intérimaire, une personne chargée d'organiser les choses afin que
celui qui doit venir arrive, ça sera difficile. On parle d'un bureau définitif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux qui se jouent du point de vue constitutionnel, du point de vue de la guerre. Nous sommes agressés, mais il y a une institution qui fait défaut. Il y a le Sénat qui n'est pas organisé, mais aujourd'hui, si on va dans des théâtres où le gens de l'UDPS, les combattants s'approprient de la question, alors que c'est une élection où ils ne sont même pas des près ou des loin électeurs. Parce que nous connaissons ceux qui vont élire ce bureau-là. Mais comment vous pouvez venir donner injonction à une personne? Ce n'est pas aussi de la démocratie. La démocratie, c'est respecter aussi les droits de ceux qui vont élire. Parce que nous, quand nous sommes partis élire le président Tshisekedi, personne n'était derrière nous pour nous dire non, c'est la main Tshisekedi, parce que c'est nous. Non, pas du tout. Laissez les sénateurs faire le choix, sanctionner qui tous les trois candidats, positivement ou négativement, sur base du programme qu'ils vont faire. Parce qu'ils ne feront pas ce programme. Aujourd'hui, si peut-être qu'on a renvoyé pour raison de sécurité, c'est parce qu'il y a des individus qui voudraient laisser leurs travaux, qui peut-être qu'ils n'ont rien à foutre, qui voudraient aller participer à un message ou à une communication réservée qu'aux sénateurs. C'est très dangereux ça pour un pays, s'approprier. On est arrivé à un niveau où tout le monde s'intéresse à la politique, au point où les jeunes ne font plus de l'année. On néglige l'entrepreneuriat. Voilà. Merci beaucoup, cher... Alors, monsieur Joël, dans 30 secondes, bien que vous l'avez voulu les faire avant, dans 30 secondes. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais dire que le chef de l'État, parce qu'il est l'initiateur de l'Union sacrée, doit devoir interpeller toutes les personnes qui composent l'Union sacrée, qui sont sénateurs actuellement, de porter leur choix sur le seul candidat qui lui avait déjà choisi préalablement. On n'est pas tombé sur la personne qui, déjà, la moralité fait défaut, monsieur Mangala, qui a des cadavres dans, dans ses placards et qui doit être écarté d'office parce que il n'est pas d'une bonne moralité. Très bien. Et que le choix soit porté sur M. Samuel Koundé. Merci beaucoup, cher Joël. Merci beaucoup, messieurs. Henri, c'est terminé pour cette semaine. Grande tribune, mesdames et messieurs. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.